Salut à tous, la team OL, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la deuxième de la journée. Vous avez de la chance les amis, puisque c'est une vidéo OL Daily Mercato. Il y a de l'actualité Mercato en ce dimanche, puisque c'est une exclue de foot Mercato. J'ai vu la notification tomber les amis. Et avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un pouce aussi sur cette vidéo, c'est extrêmement important pour le référencement. Ouais, comme je vous ai dit, j'ai eu la petite notification foot Mercato. Vous avez dû sûrement aussi avoir la notif foot Mercato. L'OL aurait trouvé un accord avec Galatasaray pour le transfert de Léo Dubois. C'est, je pense, l'épilogue d'un feuilleton qui dure depuis très longtemps, d'un indésirable Lyonnais, Léo Dubois, qui devrait prendre des pincettes encore, comme d'habitude, tant que rien n'est officiel. Ce sont des pincettes que nous prenons. C'est possiblement le dénouement pour les deux parties, je dirais, parce que Léo Dubois, international français, là, à l'Olympique Lyonnais depuis 2018, qui au final ne s'est pas réellement imposé dans cette équipe, ou en tout cas qui s'est imposé que partiellement, puisqu'il avait eu le capitana la saison dernière et puis les résultats de l'Olympique Lyonnais, ses performances personnelles, eh bien, lui ont coûté très cher, puisqu'il est devenu de capitaine à paria. Moi, comme je l'ai dit assez souvent et je me répète encore dans cette vidéo, il y a eu, je pense, beaucoup un délit de sale gueule autour de lui. C'est un petit peu dommage. Je pense qu'il méritait pas qu'on l'enfonce à ce point-là. Voilà, moi je pense qu'il y a eu vraiment des choses très dures à encaisser pour lui. Voilà, sur les réseaux sociaux, ça continue aujourd'hui. Et toute cette pression, et puis les sifflets aussi du Groupama Stadium, le lobbying pro Mal Augusto aussi, eh bien, lui ont fait énormément de mal à Léo Dubois. Je pense que psychologiquement, il est au fond du trou, il est au bout du rouleau, malheureusement. Et il fallait trouver une porte de sortie pour lui, comme pour le club, parce que Vincent Ponceau l'a dit dans une conférence de presse. Oui, je vous disais, comme le disait Vincent Ponceau dans une conférence de presse très récente, Mal Augusto a été promu officiellement en tant que latéral droit titulaire de cette équipe. Et donc, il fallait absolument trouver une porte de sortie pour Léo Dubois. Sauf que le problème, c'est que le marché des latéraux droits est un petit peu compliqué en ce moment. On dirait que c'est un petit peu la même chose pour les latéraux gauches, puisqu'on a beaucoup de mal à en trouver un. Mais les latéraux droits, c'est aussi compliqué. Et la porte de sortie, elle n'est pas évidente à trouver pour Léo Dubois. Elle était en tout cas compliquée à trouver. On a parlé de l'intérêt de la Fiorentina, qui voulait plutôt un prêt. On a parlé aussi de l'intérêt de Fulham, qui était possiblement prêt à mettre 8 millions d'euros sur la table. Mais voilà, les deux clubs se sont vraiment tâté pour Léo Dubois. Et c'est vrai que bien depuis ses intérêts un petit peu de ces clubs là, bien, on n'avait pas trop de nouvelles. Et plus le marché avance, plus la saison se prépare, plus il devenait compliqué pour Léo Dubois de se trouver une porte de sortie. En plus, l'OL réclamait vraiment une somme entre guillemets dérisoire pour quand même un international français. Alors je veux bien croire que Léo Dubois soit en grande difficulté avec nous, mais ça reste quand même un international français. C'est un joueur qui n'a pas encore 30 ans. Donc c'est un joueur à qui il reste de belles années devant lui. Et je suis persuadé qu'à son niveau, je dirais optimum, vous allez me dire, pareil, vous pouvez me dire, mais quand est-ce qu'un joueur est à son niveau optimum? Est-ce que ça va être le cas encore un jour pour Léo Dubois? Oui, je le pense, à son niveau optimum, Léo Dubois est un super joueur et je pense qu'il peut rendre de fiers services à une équipe, je dirais de haut niveau. Donc, Léo Dubois, pour moi, qu'il parte de l'Olympique Lyonnais, eh bien, c'était une obligation, évidemment, quand il y a un divorce qui est en train de se consommer entre lui et le club, entre lui et les supporters. Il vaut mieux partir. Et il semblerait en tout cas que l'Olympique Lyonnais ait trouvé un accord
avec, avec Galatasaray. On verra, on verra, on verra si vraiment c'est le cas. Et pour un montant qui semble pas être très très important, puisqu'on parle de aujourd'hui 3 millions d'euros, ce qui est quasiment rien. Qui est quasiment rien, 3 millions d'euros. Alors, est-ce que c'est avec ou hors bonus? J'en sais rien. J'en sais rien, c'est en tout cas ce qu'il faut se demander, on ne sait pas. Si c'est hors bonus, eh bien c'est une très bonne affaire pour Galatasaray. Alors Galatasaray, club non qualifié pour une Coupe d'Europe. C'est un club qui a fini 13e de son championnat. C'est une très mauvaise place, les amis. Pas de Coupe d'Europe pour eux. Ce n'est pas en rapport avec le standing club, un petit peu comme nous et notre 8e place. Eux, c'est une 13e place. Très très compliqué à encaisser. Ils ont changé d'entraîneur. Ils ont désormais un ancien du club. Je crois que c'est l'entraîneur qui s'appelle Bourouk qui prend les rênes de ce club. Il a 48 ans. Bon, pas de vraie tête d'affiche hein, à Galatasaray. Hormis peut-être Mousselera, le gardien international uruguayen. Et puis Bafé Timbi Gomis, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, qui a signé dans son club avec qui il était par le passé aussi, puisqu'il avait déjà fait une pige à Galatasaray. Il est de retour, il a marqué je crois hier en match amical. Voilà, il n'y a pas non plus d'affiche, il y a pas mal de joueurs turcs dans cette équipe, et il serait en tout cas en concurrence avec un latéral droit norvégien, El Abdelawi. Voilà, donc je pense que la concurrence devrait en tout cas lui suffire, il devrait pouvoir s'en contenter, en tout cas, pour essayer de se faire une place au sein de cette équipe de Galatasaray. Alors, Galatasaray qui était aussi, les amis, sur Serge Aurier. Alors, on ne sait pas ce qu'est devenu la piste Serge Aurier, parce que lui se tâtait à rejoindre Galatasaray. A priori, Léo Dubois tiendrait plutôt la corde, mais on ne sait jamais, on ne sait pas ce qui peut se passer. Peut-être qu'au final, c'est Serge Aurier qui signera en tant que latéral droit. Donc, on ne sait pas, pour l'instant, ça reste que les amis, que du conditionnel. Oh, je suis en train de suer, il fait très chaud. Il fait très chaud, les amis, mais c'est l'été, c'est comme ça. Donc voilà, Galatasaray, et ça serait une bonne option pour Léo Dubois. Et puis, sans parler de la ville d'Istanbul, qui est une ville magnifique, où vraiment l'art de vivre là-bas, la qualité de vie n'est plus à dire, puisque c'est une super ville aussi. Donc il y a aussi ce côté familial qu'il doit aussi privilégier, ce côté cadre de vie. Donc l'un dans l'autre, on est plutôt pas mal. Grand club de Turquie, là il y aura de la pression. Il y aura certainement de la pression parce que les supporters sont extrêmement chauds. Et je pense qu'ils ne se contentent pas aujourd'hui d'une 13e place en Super League turque. Ils veulent absolument, je pense, voir plus haut. Et il y aura de la pression. Alors lui qui déjà a subi une grosse pression de la part des supporters lyonnais. Je pense que les supporters lyonnais ne sont pas les supporters de Galatasaray. Il y a une toute autre pression là-bas. C'est encore plus exigeant. Donc on espère qu'il va tenir le choc. Lui, s'il cherchait un contexte un peu plus simple en termes de supporters, je pense qu'il ne part pas là où où il y a moins de pression. Sinon, il serait parti du côté de Monaco, là où il n'y a personne dans le stade. Ça aurait été beaucoup plus simple à gérer pour lui. En tout cas, c'est un beau challenge. C'est un beau challenge de vouloir se relancer dans un énorme club turc qui veut lui aussi redorer son blason, qui veut repartir de l'avant, qui veut aujourd'hui récupérer une Coupe d'Europe. Donc, Léo Dubois a tout intérêt, je pense, à y aller. De toute façon, il n'a pas le choix. Il n'y a pas beaucoup. Voilà, c'est soit la Fulham, c'est soit la Fiorentina. On voit que les deux pistes, eh bien, ça patauge, ça temporise. Là, lui, il doit absolument trouver une porte de sortie parce que là, il est en train de remplacer le latéral gauche dans une équipe remplaçante à l'OL. Donc, voilà, il faut arrêter les frais. Aujourd'hui, il a besoin d'avancer, il a besoin de se ressaisir. Pourquoi pas récupérer l'équipe de France, même si je doute aujourd'hui que cela soit possible. Donc nous verrons bien ce qu'il va se passer pour Léo Dubois. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un bon choix pour Léo Dubois que de rejoindre Galatasaray? Pour ceux qui connaissent d'ailleurs le championnat turc, dites-moi si ça vaut le coup. Et puis voilà, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à poser un like, à vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous fais des gros bisous. Bonne fin de week-end à tous, merci de votre fidélité. Ciao.